Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle étape de ma série de vidéos de make-up pour les nuls. Et aujourd'hui c'est une étape qui n'est pas forcément hyper intéressante, on va dire en soi. On va parler du bronzer et du blush. C'est pas des étapes qui sont, on va dire, réellement cruciales, primordiales. C'est pas comme si c'était le fond de teint, l'anti-cerne ou limite le contouring, qui est une technique qui est un petit peu plus compliquée, mais honnêtement ça n'a rien de sorcier. Mais là le bronzer et le blush, ben c'est plus ou moins simple, c'est pas intéressant, mais néanmoins c'est une étape qui pour moi est difficile, on va dire, à contourner, parce que ça apporte tellement beaucoup plus de vie à un make-up. Le problème, comme vous pouvez le voir là maintenant tout de suite, c'est que j'ai une tête de fantôme, donc c'est à dire que j'ai mon fond de teint, anti-cerne, poudre, et j'ai un peu de contouring qui est fait, et le problème c'est qu'on a du coup l'impression que mon visage, si j'avais pas de contouring ce serait pire, et en règle générale j'en fais pas, donc voilà, mais on a un peu l'impression que mon visage est sans vie, sans couleur, assez plat, terne, etc. Et le bronzer et le blush, et l'highlighter, ça donne la vie l'highlighter, mais le bronzer et le blush peut vraiment faire en sorte de rapporter de la vie et de la fraîcheur à un teint. On utilise du bronzer pour pouvoir réchauffer le teint, apporter un petit peu plus de chaleur, et ce qui est pas mal en fait, on va dire là dans la saison qu'on est en train d'entamer, on est en fin d'automne. On est en fin d'automne? Non, on est en mi-automne, et je ne t'avance pas trop. J'ai vraiment pas hâte. Je déteste ces mois-ci de l'année, et du coup j'ai tendance à forcer peut-être un petit peu plus justement sur vos bronzers pendant cette époque. C'est pas forcément la chose qu'on a envie de faire, parce que forcément ça peut faire hyper fake, et donc on va l'appliquer à des endroits stratégiques pour pouvoir donner cette illusion de chaleur, sans que ça fasse trop, sans que ça fasse too much, sans que ça fasse pas naturel. Le blush, c'est un peu à double tranchant. On peut vraiment faire en sorte d'avoir un côté beaucoup plus radieux, plus vivant, plus jeune même avec du blush, comme on peut hyper facilement ternir le teint si la couleur n'est pas appropriée à notre carnation, si c'est trop foncé, si on a eu la main trop lourde. Faut vraiment faire ça en délicatesse, et pas utiliser le blush. Hi, ça va mon cœur? Ah, ouf, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Il y a la piñata licorne, si vous vous souvenez de ma vidéo que j'avais fait sur la collection festival de Too Faced. J'ai ressorti la licorne et ma fille elle a... Wow! You're gonna close the door? Okay. I appreciate that, thank you so much. Hey Tyson! Get out! Tyson needs to get out? Get out! Come on, get out! Petite parenthèse fermée, on passe à l'application du bronzer. Donc votre bronzer, vous pouvez le choisir un petit peu comme vous voulez. Il faut évidemment qu'il soit légèrement plus foncé que votre carnation, mais pas trop non plus, parce que sinon ça a tendance à être boueux. C'est aussi le problème avec les bronzers qui sont mat. Ça a tendance à accrocher plus facilement, à se diffuser moins, et du coup à donner un côté un petit peu plus boueux, un petit peu plus sale on va dire au visage, chose qu'on ne veut absolument pas. Moi ce que je préfère c'est un bronzer qui est donc moyen on va dire, pas trop foncé et pas trop clair pour que ça puisse se voir sur ma carnation, et qui est légèrement satiné. J'essaie toujours de trouver quelque chose qui est assez fin, qui est vraiment moulu assez fin. Toutes les poudres ne sont pas moulues de la même façon, et certains produits sont plus fins que d'autres. Moi j'essaie vraiment de trouver quelque chose qui est assez fin. Donc je prends mon produit sur un pinceau. En ce moment j'aime bien utiliser quelque chose qui est un petit peu plus large, mais vous pouvez très bien utiliser un pinceau biseauté ou quelque chose comme ça. Vous allez juste avoir une application un petit peu plus précise si votre pinceau est plus fin. J'aime bien avoir quelque chose d'un petit peu plus flou en ce moment. Je retire l'excédent et ensuite je vais venir balayer le produit. Et si vous avez vu ma vidéo sur le contouring, on va repasser très légèrement sur ces zones-ci en fait, sauf qu'on va descendre un petit peu plus bas. J'effleure vraiment mon visage, je remonte très légèrement au niveau de mes pommettes, donc légèrement au-dessus de mon contouring. Contouring il est juste ici, et nous on va aller juste là, et là ce sera notre highlighter. J'hésite pas à en appliquer très légèrement sur mes oreilles, surtout si vous avez les cheveux attachés. Vous voulez pas avoir votre visage qui est bien glowy, bronzé, chaleur, etc. et vous avez votre oreille qui est rouge ou blanche. C'est pas le top. Ce que j'aime bien faire c'est le descendre très légèrement aussi dans mon cou. J'en reprends pas, hein, c'est vraiment l'excédent. Ce que j'aime bien faire de temps en temps c'est le passer très très légèrement juste là sur mon nez, parce que le soleil, forcément, ça c'est la zone la plus surélevée, on va dire, de votre visage, et forcément le soleil va toujours taper sur votre nez, donc c'est bien de ne pas le négliger et d'en appliquer une pointe. Voilà, on fait bien attention si on a les cheveux attachés d'aller très légèrement dans le cou, hein. Le maquillage ça se retire à la fin de la journée, donc n'hésitez pas, si vous êtes aussi dégagé que moi, d'en appliquer pour faire attention de n'avoir aucune démarcation et garder quelque chose d'hyper naturel. Et voilà, ça c'est bronzer, c'est appliqué, c'est pas compliqué, ça rajoute un tout petit peu plus de glow, de chaleur, sans en faire trop. On n'est pas là pour faire du contouring avec notre bronzer, c'est pas le but, ça ferait pas naturel. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, je trouve que les deux, contouring et bronzer, c'est un peu trop pour tous les jours, ou alors un contouring ciblé comme moi j'aime bien faire toujours mon nez tous les jours, le reste de mon visage je n'ai pas de contouring et je le bronze, je le réchauffe. Ça va jouer un petit peu en faisant une sorte de contouring, mais vous allez garder quelque chose d'un petit peu plus naturel. Je trouve que faire les deux, c'est juste, enfin c'est un amas de trucs qui fait en sorte que déjà le matin c'est plus long lorsque vous préparez, mais en plus de ça, pour la vie de tous les jours, ça peut paraître un peu trop et un peu fake. Personnellement, je pense que lorsqu'on se maquille pour tous les jours, pour aller au travail, pour aller à l'école, c'est pas la même chose qu'un maquillage artistique. On est vraiment là pour sublimer ce que l'on a déjà, on n'est pas là pour changer les traits de notre visage, ou en tout cas moi c'est ce que je pense. Évidemment le make-up peut être utilisé pour ça, et si ça vous arrange de faire un sacré contouring de votre nez pour pouvoir, je sais pas, pour pouvoir accepter un petit peu plus votre nez et ne pas passer par la chirurgie, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, tant mieux. Mais sinon pour moi c'est vraiment quelque chose qui doit être fait en légèreté. Et oui, je me rends compte que je vous dis ça en sachant que j'ai 15 milliards de couches de make-up sur mon visage là tout de suite maintenant, mais mon visage n'a pas changé, c'est exactement la même chose. Certes j'ai des couches, mais vous retirez mon maquillage et je ressemble à la même chose, c'est ce que je veux dire en fait. Et je sais pas où est-ce que je vais avec ça. Je pense que ce que j'essaye de vous dire, c'est juste qu'il faut pas penser que le maquillage va complètement transformer qui vous êtes et que vous êtes obligé de faire toutes les étapes et que vous êtes obligé d'utiliser tous les produits. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste utiliser les toutes petites choses qui vont faire en sorte que vous allez vous sentir mieux. Si c'est le contouring, tant mieux. Si c'est du bronzer, tant mieux. Si c'est du blush, de l'highlighter, si c'est simplement un trait d'eyeliner et que vous laissez votre maquillage, votre visage sans maquillage, tant mieux. Tout n'est pas mandatory, tout n'est pas obligatoire, voilà, tout simplement. Bref, pour le blush, pour choisir sa couleur de blush, c'est assez compliqué. Il y a mille et infini, il y a mille et une couleurs, on sait jamais selon le temps, l'époque de l'année, selon le maquillage qu'on porte, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait, etc. Moi, mon meilleur conseil, c'est de tout simplement vous aventurer, essayer des nouvelles couleurs de blush dès que vous pouvez pour voir si c'est quelque chose qui vous va ou pas. Certaines choses, on va vous dire, oh, toi, tu as une carnation de telle couleur, il faut absolument que tu mettes tel blush. Mais le problème, c'est que peut-être que vous aimez pas vous cette couleur là sur vous, donc c'est vraiment, le maquillage ne devrait pas être une règle, vous ne devriez pas suivre des règles, on va dire, vous devriez pouvoir faire votre maquillage comme vous l'aimez et comme vous vous sentez bien. Maintenant, si vous voulez vraiment la couleur de blush plus ou moins universelle pour n'importe quelle carnation, n'importe quel sous-ton, c'est tout ce qui est une couleur assez nude pêche. Peu importe votre carnation, vous allez trouver le pêche qui vous va bien. Vous pouvez avoir une couleur de peau qui est très 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 foncée, vous allez trouver un pêche soutenu, limite orange, ça va être magnifique. Vous avez une carnation très claire comme la mienne, vous utilisez un pêche comme celui-ci et c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est pour moi la couleur universelle. Un rose bonbon va pas aller à tout le monde, comme un prune ne va pas aller à tout le monde, comme un bordeaux ne va pas aller à tout le monde, comme, enfin je sais pas, un rouge ou je ne sais quoi, mais ça... Si vous trouvez la bonne, on va dire la bonne couleur dans cette tranche de couleurs, vous allez, je sais pas si jamais ça fait du sens, mais voilà, vous allez trouver la couleur qu'il vous faut. Donc moi je vais en prendre très légèrement sur mon pinceau, une fois de plus j'estompe, je retire l'amas de produits et ensuite je vais venir l'appliquer. Ce qu'il faut faire, c'est faire attention de ne pas l'appliquer trop haut et de ne pas l'appliquer trop bas. Vous pouvez faire attention de ne pas l'appliquer trop haut parce que sinon vous allez prendre juste ici la zone de votre highlighter si vous voulez en mettre. C'est aussi une zone qui fait en sorte que ça donne l'impression que vos pommettes sont un petit peu plus en chair, on va dire. Et si vous remontez trop, et ben ça va cacher ça. Et si vous descendez trop bas, ça peut faire une illusion d'affaissement, on va dire, que vos pommettes sont plus basses et du coup ça peut vous donner un air assez fatigué. Donc voilà, il faut vraiment trouver sa zone qui change avec l'âge, puisque la gravité fait en sorte que les pommettes descendent. Donc voilà, c'est vraiment à vous de jouer et de voir où est-ce que vous devez placer votre blush, en sachant qu'il faut laisser une partie ici et qu'il faut le faire juste très légèrement au-dessus du contouring et du bronzer. Je commence juste ici, je balaye vers l'extérieur, je balaye vers l'intérieur, j'effleure à peine mon visage, on ne veut pas avoir juste un, vous savez, la petite joue de clown. C'est pas notre but. Si vous avez envie d'un côté un petit peu plus naturel et même un peu jeune fille, on va dire, vous pouvez faire attention de retirer tout l'excédent, on va dire, de votre pinceau sur votre visage et balayer très légèrement juste là au niveau du nez. Ça peut donner aussi l'impression que le bronzage est plus réel, parce que le bronzage n'est pas complètement marron, il est très légèrement rouge. Et voilà, ça c'est tout, ça c'est le blush. Et bien mes amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air. Pour la prochaine vidéo, on va parler des sourcils, et le cobaye ne sera pas moi cette fois-ci, ce sera ma maman, puisque moi clairement j'ai des sourcils, ma maman n'en a pas. Donc je vais vraiment vous montrer comment faire pour partir de 0 à des sourcils. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Merci infiniment de regarder cette série de vidéos, ça me fait hyper plaisir, et moi je prends un plaisir fou à la faire, à m'amuser avec le make-up et à essayer de partager le peu de connaissances que j'ai. Je suis pas professionnelle, c'est pas mon métier le make-up à la base, mais j'adore tellement ça et je suis tellement heureuse d'avoir une plateforme pour pouvoir le partager avec vous. Bref, j'aime tellement mon métier de youtubeuse la plupart du temps. Bref, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et jusque-là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Mouah, bye.